Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Ghost of Tsushima pour aujourd'hui, la partie 8 de l'acte 2. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc, pour aujourd'hui, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, on va se rendre directement au pilier de l'honneur. Après, on ira faire la mission annexe et après, on ira se balader un peu par là, là, et on montera petit à petit quand on aura fait cette partie ici. Voilà pour le programme. Allez, on y va, on décolle. On n'a pas le temps. Pourquoi tu veux pas sauter? Tu peux pas lever tes patounes. Alors, est-ce qu'on va rencontrer des animaux? Ou pas? Bon, déjà, on peut pas passer par là. Non, par contre, on peut contourner, ça c'est cool. Tiens, tiens, des ennemis. Voilà. Allez, on va jouer aux billes. Bah, pourquoi le cheval il est par terre? C'est pas le cheval que j'ai tué. Ah ouais, et puis les deux chevaux en plus. Merde. C'est moche. Là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Il y a des méchants. Il y a des Mongols avec un gentil. Venez vous battre, venez m'affronter, venez vous frotter à mon sabre, que je vous plie, que je vous tue, que je vous découpe. Voyez, on est d'accord, le cheval, je l'avais pas touché. Pourquoi il est par terre? Pourquoi il est par terre? C'est fini, tout ira bien. C'est fini, tout ira bien. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, d'accord. Donne-moi tes provisions. Et cours vite te cacher. Merci. Allez, viens, casé. C'est le meilleur cheval. Oh oui.
Allez, ma poule, là. Bloquée par les branches. On va au pilier de l'honneur. Pour récupérer une fleur. Allez, hop. Alors, hop. Ya, ya, ya. Elle est pas belle cette image là. Monseigneur, vous pourrez peut-être les raisonner. De quoi s'agit-il exactement? Monseigneur, je suis Saburo, un marchand des plus respectés à Umugi. Si vous voulez mon respect, méritez-le. Pourquoi menacez-vous ces honnêtes gens? Ma famille a disparu. Ces gens refusent de parler. Quelque chose de terrible s'est passé. Que faisait votre famille ici? J'avais pris des dispositions afin de nous faire quitter l'île. Nous devions venir ici, puis faire voile vers Iki. C'est impossible. La flotte mongole contrôle la mer. J'ai payé un équipage de passeurs pour nous conduire en lieu sûr. Des individus peu fréquentables. Mais ils ont déjà aidé plusieurs familles. Mon épouse Aki était terrifiée. Et notre petit Jotaro pleurait sans cesse. Je me devais d'agir. Ouais. Et maintenant, votre famille. Eh ben, t'aurais pas dû. Tout comme les passeurs, j'imagine. Et ces gens savent quelque chose. Je découvrirai ce qui leur est arrivé. Et vous, pas un mot de plus. Bien, monseigneur. Mais faites preuve de fermeté. Ouais. Là où je vais être le plus ferme, ça va être avec les passeurs, mais. Vous allez voir pourquoi. C'est assez ignoble ce qui s'est passé. Écoutez-moi, rassemblez-vous, j'ai à vous parler. Cet homme prétend que sa famille est passée ici récemment. Les avez-vous vus? Personne? Et qu'en est-il de passeurs proposant de quitter Tsushima en toute sécurité? Monseigneur, je crois que je les ai vus. Une femme et un jeune enfant qui tenaient un jouet. Où sont-ils allés? Je ne les ai pas vus partir. Je n'ai vu personne qui ressemble à cela. Je veux parler à chacun d'entre vous. Ils étaient peut-être ici. Il y avait un petit garçon qui jouait tout seul. Je n'ai vu aucune famille.
Je ne suis arrivé qu'hier, je jure. Il essaie de s'enfuir. Arrêtez-le, toi. Halt. C'est rien du tout. Oh merde. Épargnez-moi, mon seigneur. Pas la peine de courir, imbécile. Je suis innocent. Putain. 3 ou 4 flèches avant de l'avoir. Dur. Je t'écoute. Les contrebandiers sont venus. Ils emmenaient la femme et l'enfant du marchand. Je les ai suivis, mais ils m'ont vu. Ils ont dit que si je parlais, ils me tueraient. Ils n'en feront rien, j'en suis certain. Où les passeurs les ont-ils emmenés? À l'ouest. Il y a une tour de guet sur la côte. Il me semble que c'est là qu'ils embarquent. D'accord. Oh punaise de Dieu. Enfin, tu m'emmènes à Pétain Rouchenotte là-bas, là. Pas des flèches là? Non. Accélère, casette. Dommage. Celle-là j'en aurais bien eu besoin, vu que je me suis. Vu que j'ai totalement foiré mes tirs sur lui là. Aucune trace de la famille de Saburo. Hein? Venez vous battre! C'était pour eux. Putain, le cheval il a failli me perturber. Moi comme un chien. C'est qui le chien là? Hors de question que je perde mon bonus de fantôme. C'est mort. C'est mort. Inspecter le repère de Renan. Et là, le repère de Ronan. Non. Les gens ont peur. Donne-leur un peu d'esprit. C'est pas faux. Allez, il est temps d'en finir. Je suis désolé. La traversée est annulée. Qu'est-ce que vous faites? Prenez notre argent! Épargnez-nous! Plus un mot.
Quel enfoiré. Je ferai ce que vous voulez. Oh mais t'as pas besoin de faire ce que je veux. Vous serez bientôt libre. Je ne peux pas vous aider. Ah, vous nous avez sauvés. Vous ne craignez plus rien. Je ne comprends pas. Il nous avait dit qu'un bateau nous attendrait. Il est impossible de quitter l'île. Il comptait prendre votre argent et vous tuer. Y avait-il une femme et un petit garçon avec vous? Non, personne. Rentrez chez vous. La famille de Saburo n'est peut-être pas loin. Mais non. Ouais, je crois qu'elle est par là. Une femme et un garçon tués récemment. Un jouet. Saburo le reconnaîtra peut-être. Il faut qu'il sache. Les Mongols paieront pour la peine qu'ils t'ont infligée. Ah, les Mongols étaient très très cruels. Ça là-dessus, on pourra pas dire le contraire. Ils ont tué un paquet de gens quand même, hein. Je vais aller près des fleurs là-bas là pour récupérer des... J'espère qu'il y en a là-dedans. Là. J'ai la haine, je vois pas de... Je vois pas de fleurs pour ma sarbacane. Là, il y a un sanctuaire. Bon, tant pis.
Venez voir ce que j'ai à vous offrir, monseigneur. Ah, j'ai failli découper en rondelles, mon pote. Voici tout ce que j'ai. Projectiles et consommables. Cuir. C'est digne d'un samouraï. Ouais. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vous remercie. À très bientôt. Eh, les fléchettes, c'est pour lui. Hein. Monseigneur, avez-vous trouvé ma famille ? Je suis désolé pour toi. Je suis sincèrement désolé, mes condoléances. J'ai trouvé ceci. Le jouet de Jotaro ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les passeurs se sont joués de vous. Il n'y a jamais eu de bateau. Non. Tout le monde à Umugi sait qui je suis. Ils n'auraient pas. Croyez-moi. Votre famille est morte. J'ai exécuté les coupables. Putain. Ah, puis il le dit d'un sang-froid énorme. On n'a pas pu, on est arrivé trop tard. Quel genre de samouraï êtes-vous ? T'es sérieux là ? Misérable ! Vous nous avez trahis ! C'est votre faute ! Rien que votre faute ! Saburo, nous devons tous rester unis. Prenez l'argent qu'il vous reste et aidez ces personnes à se battre. Mais avant tout, enterrez votre famille. Alors, du coup, la source de chaleur, tout de suite. Allez, on va se décrasser un peu. Ah, Ryuzo, voilà, c'est ça. Nous avons grandi ensemble, mais tu as tout renié. Combien de temps cela va-t-il durer, Ryuzo ? Combien de temps avant que les Mongols se lassent de tes excuses ? Alors, ça c'est ok. Et là, du coup, avant de faire le récit, avant de reprendre le récit principal, on va faire... Alors, attendez, Masako... 5 sur 9, il faut que je regarde. Pour qu'on les fasse dans l'ordre, ça serait mieux. 6, 7, ok. Donc on est pas mal si on fait... Si on commence par celui-là, on est pas mal. Y'a quoi ? Ah ouais, body, faut que je passe à côté, tout baigne. Wow. Doucement. Halt, Ronin. Que cherches-tu ? Je ne suis pas un Ronin. Mon nom est Jin Sakai. Un samouraï ? Dame Sanjo souhaitera vous voir. Oh, vas-y. Elle supervise la crique d'Umugi. Je vous en prie, suivez-moi. J'ai autre chose à foutre, hein. Devez vous entretenir avec Dame Sanjo. Bon, du coup, on est obligé de... On est obligé de suivre le pèlerin, hein.
Seigneur Sakai, voici Dame Sanjo. Bienvenue dans la crique d'Umugi. Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bah, rien. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas, à boire sa troisième bouteille de saké. Ah oui. Vous pouvez aller lui parler. Ouais. Merci. Revenez me voir une prochaine fois. Je pense que nous pourrions nous entraider. Oui, puis là, vous êtes obligé, hein. Les six lames de Kojiro. Un message ardent pour sauver l'île. Hein, Shogun peut nous envoyer. Mais... ouais, mais non, en fait, moi j'ai. Non. Oh putain, et puis là je vois plus rien. C'est impossible. Il tue des hommes dans leurs rêves. Il porte les ombres de ses victimes en armure. Vous devez être Goro. On doit tous être quelqu'un. Et vous, qui êtes-vous? Le seigneur Sakai. Bah, tous les samouraïs sont morts. Non. Moi, je suis encore en vie. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Le seigneur Shimura souhaite que vous honoriez votre dette. Il est en vie? Et que veut-il? Il voudrait envoyer un message au Shogun. Ce genre de course valait très cher, même avant le barrage des Mongols. Vous avez une dette envers mon maître. Elle sera effacée. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Après la bataille de Komoda, j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura effacée. C'est pour cela que je buvais. Pour fêter votre bonne fortune? Je pleurais les samouraïs. Ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi. Si c'est ce que vous pensez, alors faites preuve de courage. Aidez-nous à les venger. Il nous faudrait bien plus de samouraïs pour y... Il boit, mais il arrive à parler en même temps. C'est... Quand vous aurez transmis le message du seigneur Shimura. Je mérite plus de respect que ça. Ici, c'est chez moi. Entrez. Ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol. Vous avez le message du seigneur Shimura? Il vous le remettra dans son camp. Sur la côte à Akashima. Ah, d'accord, ça me va. J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mitodake. Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière. Allez, ouvre, Goro! On ne partira pas sans l'argent que tu vois. Attention, je vais m'occuper d'eux. Allez-vous-en. Je vais vous laisser régler ça. Rendez-vous à Akashima, seigneur Sakai. Inutile de te cacher, Goro. Nous savons que tu es là. Qu'est-ce qui te fait peur? Je n'ai pas appelé de Ronin. Monseigneur, que voulez-vous à Goro? C'est privé. Nous reviendrons. Quelqu'un a vu ma fille? S'il vous plaît. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et Masako est partie où alors? Bon, ça sera pour plus tard. Et le pire, c'est qu'on était là-bas. On était là-bas juste avant. Ça fait mal, hein? Alors. Qui a-t-il? Ma fille a disparu. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Pourrait-il s'agir d'une fugue? Elle ne ferait pas une chose pareille. Retrouvez-la, je vous en prie. Ma mère était comme vous, prête à remuer ciel et terre pour me protéger. Alors vous me comprenez. Où l'a-t-on vue pour la dernière fois? Au dojo. Je suis partie la première,
et elle devait me rattraper. Mais elle n'est pas rentrée à la maison. Je ferai mon possible. Ah là là. Quelqu'un ici la connaît sûrement. Que veux-tu ? Je recherche une fille appelée Kuma. Fille, garçon, poule, j'ai un peu de tout. Si vous y mettez le prix, vous pourrez les appeler comme vous voulez. Imbécile. Il faut qu'on se ravitaille. Peu m'importe. Connaissez-vous une fille prénommée Kuma ? La fille de la marchande ? Oui, je la connais. Mais ça fait des jours que je ne l'ai pas vue. Je suis à sa recherche. Je ne peux pas vous aider. Désolé. Je cherche une fille prénommée Kuma. Je ne connais aucun nom. Ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi. Samouraï, par ici. Je connais la fille que vous cherchez. Vous connaissez Kuma ? Oui, mais évitons de parler ici. Suivez-moi. Je me doutais que c'était trop beau pour être vrai. Il lui est arrivé quelque chose. Sa mère ne l'a pas revue depuis 10 jours. Maintenant, on peut parler tranquillement. Kuma est une amie. La dernière fois que je l'ai vue, elle partait avec un homme qui lui avait promis un travail. Quel genre de travail ? Tenir une auberge. Elle voulait gagner un peu d'argent pour aider sa mère. Elle m'a fait promettre de ne rien lui en dire. Où est l'auberge ? L'auberge de Numanaka, sur la grande route. Oui, c'est allé là-haut, lui. Wouah, 800 mètres. Ouais. On va se téléporter, ça va aller plus vite. Parce que franchement, sinon ça va prendre des plombes. Ouais, j'aurais pu aller là-bas pour le... Ouais. Alors... Oh, je l'ai eu. J'ai eu du mal, mais je l'ai eu. Je le voulais, lui, hein. Il est tombé où, son cadavre ? Oh non, c'est vache. Plus vite, Cosette.
Eh, vous croyez que je me suis amusé à les tuer pour... Ah, ouais. Pas le temps. Oh. Allez, reste couché, pépère. Hein. Je sais même plus où elle est, cette auberge. Ouais, allez, donne-moi tes provisions là et va-t'en. Va-t'en. Ouais, je crois qu'elle est en plein milieu en plus. Ferme-la. Il y a des fois, je me demande pourquoi je mets pas la tenue spéciale archer que j'ai. Vu que là, en plus de ça, je joue principalement en distance. De l'autre côté. Accélère, Kazé. Ah bah voilà, des flèches. Voilà. De Numanaka. Je devrais trouver Kuma. Oh, bah dis donc.
Oh, 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 oh. Merde. Allez, donne-moi ça. Voilà. Il y avait un peu de monde quand même là. Il y avait du peuple, hein. Mine de rien. Alors. Et il y en a encore. C'est ta mort en direct, mon gars. Voilà ce qu'il y a. Alors, du coup, il en reste un peu encore. Ah oui, il en reste bien. Hein. 1, 2, 3. Chire dans les bois. Qu'est-ce qu'on a là-dessous là ? Bombe collante, bombe collante et bombe collante. On a que des bombes collantes. Bon, normalement, on a tué tout le monde. Provisionne. Alors. Attends, attends, laisse-moi les tuer tous. Ouais. Forcer à faire quoi ? Voler les gens. Ah. Je devais attendre le long de la route et demander de l'aide. La plupart des gens s'arrêtaient. Certains voulaient m'aider. D'autres... C'est terminé. Ils attendaient autre chose. Oh. Il y a encore des ennemis.
Emma! Mère! Putain, je veux pas courir, hein, je veux marcher, mais non. On va la faire. Absurde. Rendez-vous, et vous aurez la vie sauve. Fille, garçon, poule, j'ai un peu de tout. Si vous y mettez le prix, vous pourrez les appeler comme vous voulez. Je dois intervenir. Ok, ça va se finir en duel, ça. Combat difficile encore là. Ah, ça va être chaud contre les gros boss, hein. Je vous ai suivi et je vous ai vu parler au Ronin. Après votre départ, je lui ai parlé à mon tour. C'était courageux. Les Ronins sont dangereux, imprévisibles. M'étonne. Ce n'était rien comparé à la peur de perdre mon enfant. J'ai vraiment cru que je ne te reverrais jamais. Le pire, c'est que ça lui rapportait rien à elle. Hein. C'est dommage. Hein. Bon, les amis, on va se quitter pour aujourd'hui. Et pour la prochaine vidéo, eh ben, je me re-téléporterai là-bas. Et du coup, on terminera... Ouais, on fera les trucs ici, quoi. Ok. Et d'ailleurs, on va se téléporter tout de suite. Comme ça, au moins, on sera déjà là-bas. Bon, bah, prenez soin de vous. À la prochaine, les amis. Salut, salut !